Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a un plaisir, on l'a fois encore pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien. Et nous parlons quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité dans le pays Venezuela, manifestation anti-gouvernementale violente continue environ 48 heures après l'élection présidentielle qui bat président Nicolas Maduro vainqueur sous Edmundo González. Actualité dans la région Moyen-Orient, l'armée israélienne fait connaître l'imène offensive aérienne et l'autre type opération côté li attaqué plusieurs cibles Hezbollah dans 7 zones dans le sud Liban. Et puis dans le pays d'Haïti, nouveau développement à débat juridique et politique devant scandale corruption qui touchait 3 membres conseil présidentiel transition. Et puis Jeux Olympiques Paris dans le pays de la France a continué en bas en pile chaleur et 3 athlètes haïtiens déjà éliminés. C'est point ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans yon petit moment dans pays d'Haïti gen police nationale là qui bayon bilan sous état d'urgence sécurité a nous gen sous place Steven Aristide n'a gen pour rétablir contact avec pita dans programme mais gros point dans actualité internationale là c'est opposition dans pays Venezuela qui continue à manifester contre ça aurait les victoires et Maduro dans élection qui s'est passé là yo dimanche qui s'est passé là nous gen Jean-Aubert Philippe cap suivre de très près pour nous dossier ça Jean-Aubert Philippe gen pile réaction qui continue à tomber et après ça conseil électoral a dit que c'est Nicolas Maduro qui a remporté la victoire. Oui, j'en dis à la clé en pile réaction et surtout excepté Moscou qui lui-même tablé d'accord avec le résultat de l'élection. Mais on a dit que pendant ce temps, manifestation qui a déroulé un peu partout au Venezuela, mais débouché sous et 4 personnes mourent pour Bibiti, il y a plusieurs centaines d'autres personnes que la police a arrêté, il y a 48 personnes parmi les forces de l'ordre de Turquie qui ont même blessé. Et puis, le président Nicolas Maduro lui-même lui dit, il m'a dit, supportait pas lui, puis il descend sous béton en tout, puis il a contrecarré la manifestation qu'a fait ton gouvernement. Lien. La population en Venezuela a organisé un conseil casual dans plusieurs villes pays pour exprimer des accords avec résultat élection qui bat le président Nicolas Maduro y a un autre mandat jusqu'en 2031. D'après l'institution électorale, le président Maduro prend 51% voix alors que l'opposition lui-même qui dit c'est lui-même qui remporte l'élection avec plus passé 70% voix devant Maduro qui lui-même t'a ramassé entre 14 à 31% voix. Manifestant ça a déclaré ma bataille pour la démocratie pays. Je vole non mais nous à cause président Maduro commet génocide dans pays. Nous devons goumer pour la démocratie pays. Observatoire conflit Venezuela estime que 187 manifestations dans 20 États pays. Président dans un quartier dans la capitale là, Caracas qui c'est une base chavistas et qui en faveur gouvernement manifesté contre résultat élection. Ça a déclaré, moi sorti dans la rue, nous voulons changement, nous fatigués avec le gouvernement ça, nous voulons changement, nous voulons libre dans Venezuela, nous voulons famine, retourner ici là, nous parler de quitter le pays encore. Dans le capital d'État Falcon, manifestants qui étaient en colère déchouqués ont sorti des fins président Hugo Chavez après l'institution électorale là, fin proclamé président Maduro remporté l'élection. Dans quelques autres zones, manifestants ont attaqué garde nationale, lagué soldats yo à terre, baillé quelques coups de bâton et puis saisi motocyclette avec bicyclette. Ta película la conocemos. Dans un message télévisé, le président Elia Nicolas Maduro mettait devant le peuple là, depuis le palais national Miraflores là, et bien il dit, le gouvernement connaît façon pour gérer la protestation anti-gouvernement qui a déroulé dans tout le pays et il connaît qui vient pour combattre la violence. Le président Elia a déclaré c'est un groupe extrême droite qui a chauffé tête manifestant contre le pouvoir. Communauté internationale a exprimé inquiétude après publication résultat. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken bat bravo pour l'électeur pendant d'y exprimer doutes sur résultat. Ces mêmes situations nous joignent pour gouvernement étranger tant qu'Argentine, Mexique, Guatemala, République dominicaine, Chili. Porte-parole secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, déclaré secrétaire général là que toute décision a dû déboucher sur solution pacifique pendant d'y lancer appel à tous les leaders politiques avec support pour mettre de l'eau dans le divin et puis éviter de craser et briser.
pendant qu'il prend note sur qu'est-ce que c'était l'idée politique avec la communauté internationale la gagne après publication des résultats. Département d'élection dans l'organisation État américain qui a organisé une session extraordinaire mercredi 31 juillet a déclaré qu'il n'est pas capable de reconnaître les résultats d'élection qui dit que c'est le président Nicolas Maduro qui vainquait l'élection dimanche. Le président Maduro a déclaré hier lundi que le système électoral Venezuela transparent qui donc lui fait toute bagaille claire. Porte-parole criminel Dimitri Peskov déclaré mardi 30 juillet, nous remarquons l'opposition n'a pas voulu accepter défaite li. Mais nous croyons l'opposition a dû complimenter vainqueur élection dimanche là. Jovel Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis dans le pays d'Haïti, il y a un leader politique qui réagit par rapport à l'élection Sayo et il bat bravo pour victoire, ça t'a considéré comme victoire, Nicolas Maduro dans l'élection qui se passait là dans le pays Venezuela. Oui, dans Toussaint, c'est correspondant de Port-au-Prince. Président Nicolas Maduro qui était candidat pour propre réélection dans l'élection dimanche 29 juillet 2024, là, réélu pour un troisième mandat consécutif dans notre pays, Amérique latine, ça, Venezuela. Professeur Camille Chalmers, président structure politique racine camp peuple, attribue victoire ça à tout peuple capgoumen contre saluer les impérialistes. Nous saluer extraordinaire victoire ça, dans des conditions extrêmement difficiles, pour nous saluer courage peuple vénézuélien qui malgré tout ce que vous faites pour saboter le processus socialiste, ils n'ont pas réussi à écraser. Et nous certains que pas réussi Brésil et nous pensons que victoire ça que le peuple vénézuélien remporté face à l'impérialisme américain c'est une victoire qui a inspiré tout peuple qui veut construire indépendance, autodétermination, prospérité et dignité la caillou. Mais opposition a contesté résultat élection ça yo. Conseil national électoral CNE déclaré Nicolas Maduro vainqueur élection yo avec 51.2% vote yo côté 5,15 millions électeurs votés pour lui, et puis 44,2%, soit 4,5 millions électeurs votés pour candidat opposition. Edmundo González Ulitia, opposition, dit, y a une preuve que Nicolas Maduro perdu élection. Yo. Professeur Camille Chalmers répond pour le dire. Il a été préparé toute offensive pour dire que l'élection, ça a été des élections frauduleuses. Et c'est offensive ça qu'on a passé aujourd'hui, hein, côté que ils ont utilisé tout un ensemble de médias, tout un ensemble de réseaux en ligne, etc. Et avec l'appui de tout un ensemble de gouvernements d'extrême droite, notamment le gouvernement argentin de Milei, pour être capable d'essayer de délégitimer l'élection. Ils ont fait ça déjà. En 2018, l'élection présidentielle qui était portée Maduro au pouvoir, qui était renouvelé mandat Maduro en 2018, ils ont déjà fait ça, ok? Malgré le fait que tu as gagné plusieurs centaines, parce que, par exemple, ça a été près de 900 observateurs internationaux, et toute la presse était présente, qui confirmait que c'est des élections propres, des élections qui faites dans le respect de la volonté collective du peuple vénézuélien. Professeur Camille Chalmers dit système électoral Venezuela, c'est système électoral qui est plus fiable, qui est plus crédible à travers le monde. Il dit sénateur reconnaître ça. Il souhaitait n'importe journaliste à enquêter sur ça. Où est Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, réaction continue à tomber, cap sorti dans la communauté internationale, et tant que Jean-Robert Philippe Sodil, dans plusieurs pays, les candidats pour côté, eh ben, yo a posé question, y a questionné résultat élection qui baille président Nicolas Maduro, vainqueur dans l'élection Sayo pour l'aller, joignon l'autre mandat 6 ans. L'autre point dans l'actualité, nous prenons dans la région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne fait connaître, eh ben, lui menait offensive aérienne. Mais d'abord, nous prenons dans l'actualité électorale là, ici aux États-Unis, côté Lisno Moon qui candidat pour Tavin et candidat pour vice-président Kamala Harris là, eh ben, l'a diminué. Kamala Harris a réfléchi sous yon lis qui gen la donne yon paquet garçon blanc. Détail avec Valérie Saint-Louis. Lis candidat pour accompagner Kamala Harris lui-même comme candidat démocrate dans l'élection présidentielle États-Unis, te vin réduit hier lundi avec gouverneur État Caroline du Nord, Roy Cooper, et gouverneur État Michigan, Gretchen Whitmer, qui yon tous deux soti dans lis là. C'est une décision qui gagne gros enjeu depuis que vice-président Kamala Harris a eu plus chance pour lui joindre une nomination officielle Parti démocrate pour l'élection novembre. Depuis tout que gagne une crasse plus passé une semaine de ça, que président Joe Biden lui-même a retiré col dans la course pour Maison Blanche.
candidat pour vice-président ka itil nan course électorale là pour balancer ticket candidat pour président selon façon que yo ka fait appel à yon électorat qui pillage. C'est comme ça dans moment que Kamala Harris a réfléchi sur une liste candidat qui surtout gen la donne garçon blanc. Roy Cooper te retiré tête li dans liste candidat vice-présidentiel Kamala Harris là. Il te dit dans une déclaration hier lundi, n'a cité, moi t'ai honoré que t'ai considéré pour rôle ça. C'est juste pas un bon moment pour État Caroline du Nord. Et puis pour moi potentiellement sur un ticket pour élection à niveau national. Toujours même hier lundi, bon côté parle gouverneur État Michigan, Gretchen Whitmer, t'a dit dans l'émission CBS Mornings que le pas fait partie dans processus choix pour t'accompagner candidat Kamala Harris dans la course électorale. Kamala Harris te prend un petit repos dans la campagne li dans week-end ça et puis il te fait conversation privée avec plusieurs dans candidats tant que gouverneur Pennsylvania Josh Shapiro d'après sous qui habitué à Capel ça yo. Gen l'autre monde cap considéré pour candidat vice-présidentiel là. Moun koué gouverneur état Kentucky Andy Beshear, sénateur américain Mark Kelly dans état Arizona, gouverneur état Minnesota Tim Walz avec secrétaire transport public là Pete Buttigieg. Candidat sa yo te marché parler dans plusieurs stations télévision à travers pays a puis yo montrer ça que yo ka pouté dans campagne là. Secrétaire transport public là Pete Buttigieg considéré même dans parmi allié yo comme yon moun ki ta ka gen plus chance. Li te parlé avec Kamala Harris en privé sur opportunité ça. D'après des sources qui habitué à événement ça, secrétaire transport public là te fait tout yon appel à un groupe donateur qui te supporté dans présidentiel 2020. Côté que le dit que li intéressé pour ta vice-président mais tout que le pral respecter processus choix. Selon ça que source information te dit. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc, 2024 sont années électorales ici aux États-Unis. T'as qu'on te dit, nous parlons en région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne, fait qu'on est que l'immenée offensive sous zone qui gagne Hezbollah, la donne surtout dans le sud Liban. Sandra Lemaire, gagne détail. Une frappe israélienne contre banlieue sud, ville Beyrouth, capitale Liban, mardi, ciblée sale opération groupe militant Hezbollah, d'après ça, trois responsables replacés, agence sécurité pays Liban, dit Reuters. D'après nouvelle, frappe là, t'es ciblée Moussin Shouker, que nous connaissons comme Fouad Shouker. États-Unis t'a imposé sanctions contre Fouad Shouker dans l'année 2015. Israël accusé monsieur d'être que les responsables pour une attaque à missile contre Mon Golanyo qui touillait 12 timoun à teenager. Gain deux sous-sécurité libanais qui dit Reuters, monsieur survive attaque là. Agence nouvelle Reuters cité une sous-sécurité qui dit gagner une dame qui mourit et puis sept autres blessés dans attaque là. Pendant ce temps, États-Unis dit qu'il va continuer poursuivre diplomatie pour éviter conflit entre Israël avec Hezbollah et papiller Pipis. We're continuing to work towards a diplomatic resolution that would allow Israeli and Lebanese civilians to return to their homes and live in peace and security. Porte-parole Vedant Patel dit journaliste yo, solution diplomatique là ta permettre civils israéliens et libanais tourner la caillou et puis vivre dans la paix et sécurité. De l'autre côté, la Russie déclarait attaque Israël lancée contre Liban, c'est une violation loi internationale. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Ou toujours sous VOA Creole, n'a pas mettre depuis Washington d'ici, tant que nous t'ai annoncé, nous parlons dans l'actualité dans le pays d'Haïti, et bien, gagné la police nationale là, qui fait que ce bail en conférence pour la presse là, côté que le présenté, yon bilan sous état d'urgence sécuritaire. Nous gagnons sous place, et correspondant nous, Steven Aristide. Et Steven, ça qui sortit dans la conférence de presse là, ça nous capable de retenir. Bonsoir Jacqueline Belize, bonsoir Jean-Marc Hervé Abela. Et au lieu de yon conférence, yon point de presse lié, parce que, DGPNH là, nos mille rameaux, pas de pa, question, les juste fin bail salgué pour le bail comme bilan, et puis l'y aller. On aurait essayé d'aller pour nous capables d'attirer attention tout le monde qui suivre la voie de l'Amérique, qui ça qui est plus important, dans ça, DGPNH là, nos mille rameaux, t'es dit aujourd'hui. Il fait un bilan sorti 4 juillet pour arriver aujourd'hui, côté le fait qu'on est dans le département de l'Ouest avec Artibonite, il y a 104 bandits qui stoppent, et dans quoi des missions, il y a 27 bandits, quoi des missions qui sont dans la commune, et dans la zone dans la commune, quoi des bouquets. Il y a 27 bandits qui stoppent, dans le tabac, il y a un Uzi, deux fusils 12, 18 caisses et cocktail Molotov, et ils ont saisi
yon lot bo pou nan département Atibonite, li fè konnen la police arrêté 49 moun, parmi yo gen 4 nan yo ki se pou drogue avec zam illégal, et nan même intervention sa, li fè konnen ki la police arrêté environ 65 moun nan département Atibonite lan, gen plusieurs nan yo ki gen transféré bay la justice PNH la saisi 19 zam nan département Atibonite lan, gen 7 machines yo confisqué, gen 5 évadé prison yo récupéré. C'est ça nous capable dire en gros, et puis il était passé sous dossier hier à ça qui passait dans l'hôpital général, nous capable dire en théorie Saint-Honoré avec monseigneur Yu, il fait qu'on est ça qui était passé hier pas aucun rapport ensemble avec attaque gang. Et il fait qu'on est situation sous contrôle la police avec policier Kenya. Yon lot bon, nan menm point de pre sa, li e mande population toujou sou de mariage population avec polis la ki komanse bay rezultat. E se bilan sa, li bay jodia nan point de pre nan DGPNH. Merci Steven Aristide. Steven Aristide te sou place nan okasyon point de pre sa ke DGPNH la bay sou etat d'urgence sécuritaire. E konsernan incident ki rive hier pendant ke Premier ministre Gary Conin te nan l'hôpital général, nan ap gen pou nou retourne sou li. Men nou pral nan gwo dosye, a gwo dosye ki kontinye ap domine aktualite nan peyi d'Haïti, se dosye korupsyon sa, kote konsey prezidansyèl la anonse ke gen yon anket ki louvri pou kapab fè lumye sou skandal korupsyon sa ki touche 3 mamb nan konsey prezidansyèl transisyon an, nou gen sou plas Yves Manuel. Pendant que tu prends la parole dans la 47e session chef l'État à gouvernement pays CARICOM, le président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils abordait question corruption dans BNC qui impliquait 3 membres dans CPT. Monsieur Leblanc soulignait gon enquête qui l'ouvrit dans ce sens pour capable faire lumière sur ce scandale. Président conseil présidentiel transition de l'autre côté mette fin à toute critique qui a joigné comme quoi l'État ignorait scandale corruption ça président BNCA dénoncé et qui impliquait 3 conseillers présidentiels. Pendant temps ça, youn nan conseil Neo Smith Augustin pendant la sorti dans pays la France voyait jeter allégation ça yo comme quoi lui-même ak deux autres conseillers présidentiels t'a exigé bon côté président BNCA 100 millions goud pour yo capable conserver dans poste li. Ancien ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine nan dit pas rien pour loué ak dossier ça et il mandé preuve. Moi-même pas rien pour moi ni de près ni loin non question comme ça. Mais qui est juste souligné et la répondre pour que les gens qui accusent nous, nous-mêmes, nous des preuves. Et si nous avons des preuves, nous prenons des mesures que la loi nous voit pour ça. Toujours dans le cadre dossier, le président conseil administration Banque nationale crédit, Raoul Pierre-Louis, qui te doit répondre à une question enquêteur ULCCO, Jonet Madian, mandé un report. Li expliquer li pa ka répondre question enquêteur ULCCO Jean ça te prévoit il mandé dans sens ça yon délai yon semaine pour le capable préparer demande ça vini nan un moment côté dossier a suscité en pile réaction tant bon côté médias sociaux que médias traditionnels yo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et toujours sous même dossier, nous parlons rejoindre Massia Dovilme, qui lui-même gagne yon l'autre développement toujours concernant scandale corruption ça dans conseil présidentiel transition. Quatre dossiers ça qui opposé président conseil administration BNCA Raoul Pierre-Louis avec 3 membres conseil présidentiel transition. Avocat qui a défendu conseiller président Emmanuel Vetiler, maître Anel Rémy, dit pas qu'il y a aucune décision juridique qui capable prendre contre accusé. Ces messieurs, vu leur statut et leur rang, ne peuvent être poursuivis en justice, malheureusement. Parce que nous pas un agent de la fonction publique, ou car ils vont agent, ou car blâme un agent, mais eux-mêmes aussi des hauts fonctionnaires. Est-ce des hauts fonctionnaires, seul ce qu'on a fait, c'est destituer. Et pour destituer, c'est à travers une juridiction qui est la haute cour de justice. Je ne pas dire que je légitime les cas de corruption, non, à travers ça m'a fait. Mais article 4, décret pour la création du CPT. Et Machado Anadadadan, le jour, les conseillers présidentiels jouissent des prérogatives spécifiques attribuées à un président élu. C'est-à-dire, même si je retraite un président élu, qu'on s'apprête au conseiller présidentiel. Même l'homme t'a dit dans le décret, le conseiller présidentiel n'est pas un haut fonctionnaire. Prends-le pour le problème encore.
ni pas conforme à l'article 187 de la Constitution. Audition président conseil administration BNCA Raoul Pierre-Louis qui était prévu pour jeudi mardi 30 juillet 2024 là devant enquêteur ULCCO reporté pour une semaine. D'après sa nouvelle rapportée, c'est avocat président conseil administration BNCA M. Sonès Saint-Louis qui écrit directeur général ULCCA Hans Joseph pour demander le renvoyer audience là à cause de pas disponible pour accompagner client li. Coalition nationale s'y a été accord 11 septembre avec 21 décembre qui portait tout si pour bail représentant strict si ça conseiller président Louis Girard Gilles qui gagne cité dans le scandale corruption ça dit parti civil la pas gain argument pour prouver accusation li. Nous va égaler, nous va imbécile. Accord de Géragile, car les camarades salent dans des 100 millions de gouttes, voyez ça, nous t'attendons. Plusieurs juristes qui réagissent sous dossier ça, fait qu'on est c'est celle aux décisions administratives qui est capable de prendre contre trois membres conseil présidentiel transition. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massa Dovinme pour VOA Créole. Merci Massa Dovinme, tant que l'on te dit là pour retourner sur l'incident qui arrivait dans la zone de l'hôpital général dans le moment que le premier ministre Guy Conning était en dedans. Nous pourrons rejoindre Steven Aristil qui a un détail. À lundi 29 juillet 2024, le premier ministre Guy Conning était avec lui DGPNH Mil Rameau à commandant force multinationale support et sécurité Godfrey Hunting. Pendant l'Ital fait une deuxième visite évaluation dans l'hôpital général. Pendant la visite si là, premier ministre Guy Conning était accompagné à quelques journalistes CNN qui devaient couvrir l'activité si là. Dans une autre équipe communication mission support et sécurité à Météo, il fait qu'on est. Dans la fin interview premier ministre, il y a eu quelques détonations. L'agent de sécurité a été obligé de tirer pour capable faire couvertir les ministres absorti. Dans même note, l'équipe communication MSS l'a fait qu'on est. Il est arrivé localisé côté Bibal, il a été sorti et pacifié la zone. Il a continué pour dire l'hôpital général toujours sous contrôle de la police à contingent mission support et sécurité. Toujours dans même communiqué, il a fait qu'on est. Pas de aucun mort ni blessé qui est enregistré, ni bon côté PNH, ni bon côté mission support et sécurité. Après l'événement, nous avons contacté avec mon équipe communication mission support et sécurité pour nous demander au qui l'est avec un autre contingent privé. Yo fait nous connaît, il a préparé pour capable recevoir un nouveau groupe policier jamaïcain qui supposé venir renforcer effectif là. Mais yo pas en mesure pour communiquer aucune date ça a fait. Steven Aristil pour VOA Creole depuis Port-au-Prince Haïti. N'après toujours dans pays d'Haïti côté autorité dans pays la Jamaïque voyez tourner en Haïti 35 compatriotes haïtiens qui t'a tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. C'est Gadkot Okai qui te recevoir et compatriotes ça. Un reportage Jean-Ernst Eliscar depuis Ville Okai dans le département Sud-Pays. Autorité jamaïcaine retourné en Haïti 35 haïtiens qui t'a tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. Parmi moun sa yo, gen yon ti moun 5 femmes ak 29 garçons. C'est Gadkot nan Okai qui te recevoir 35 compatriotes sa yo sou waf Okai. Kek nan depote yo te bay raison que te pousse yo ki te peyi ya nan kondisyon sa. Kota pou ki akwe de sityasyon ou pat bon, nou fò an konflikta, nou gane, nou gane se yon fèk amte. Nou ki da iti dirije di swa a minui, nous faisons vendredi, nous faisons samedi, nous faisons dimanche matin, à l'hiver du matin Jamaïque. Oui, à cause de nous quitter le pays, parce que nous sommes si jeunes, nous sommes là, tout fini l'école, nous allons gagner. Pour nous faire, nous sommes ici malheureux, nous sommes ici malheureux. Et papa, tout comme vous avez un moyen possible que tu aies aidé nous à faire quitter. Qui t'a tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. Compatriote haïtien Sayo, qui sorti dans Ansdeno, département Grand-Anse, pas écarté possibilité pour reprendre la mer si la situation n'a pas changé. Jean-Ernst Eliscar, VOA Creole, Okai.
Merci Jean-Ernst Eliska, ou toujours sous VOA Créole. On suivi un programme dans langue créole haïtienne et gros événement dans question sport pour période là, c'est définitivement Jeux Olympiques qui a déroulé dans ville Paris, dans pays la France son jeu qui ouvert depuis 26 juillet qui s'est passé là. En bas, gros la pluie et avec tout sabotage qui était gagné la donne. Mais je vais la continuer, médaille a tombé, bien que et haïtien ou pas vraiment fait belle figure. On a l'air ça à peu près. Quatrième journée Jeux Olympiques Paris, déroulé jeudi à en bas, en pile chaleur, après que la pluie t'ait marqué cérémonie ouverture là. Quelques résultats dans le football dans le groupe BA, Maroc calé Irak 2-0, Ukraine fait match nul 0-0 avec Argentine, dans le groupe CA, Égypte calé Espagne 2-1 et puis match nul 1-1 entre Ouzbékistan et République Dominicaine. Dans le basketball, la France calé Japon de justesse 94-90 avec deuxième victoire ça, la France t'a doué qualifier pour quart de finale. Et puis pour Haïti, trois athlètes haïtiens déjà éliminés. Alexandre Grandpierre dans natation, Lindsey Brown dans gymnastique et puis Philippe Metellus dans judo. Et puis dans tableau médaille, Japon premier avec 7 médailles d'or, sont au total de 13. Immédiatement après, en deuxième position, la Chine qui gagne 6 médailles d'or, sont au total de 14. La France, pays organisateur, en troisième position avec 5 médailles d'or, sont au total de 17 médailles. Australie en quatrième position avec 5 médailles d'or, même genre à Corée du Sud tout, qui gagne 5 médailles d'or. États-Unis qui gagne plus quantité médailles, il t'a supposé en tête, mais c'est pas ça. Il gagne 20 médailles au total, mais avec 3 médailles d'or, 8 argent, 9 bronze. Donc, il est en sixième position. Donc, Jeux Olympiques Sayo qui commençait 26 juillet, qui se passait là, a fini le 11 août. Il a gagné 329 compétitions. Jeudi, qui 30 juillet, a gagné 22 compétitions qui n'ont pas programme. Nan. Et puis, dans la question classement et médaille, c'est yo parti à partir de médailles d'or. C'est ça qui fait qu'on paye aux États-Unis qui gagne 20 médailles. Mesdames, noyau. C'est comme ça, match dans l'occasion Journée internationale Femmes Noires, Amérique latine et Caraïbes a commencé dans São Paulo. Il y a environ plusieurs milliers qui ont pris la rue pour dénoncer négligence de l'État, discrimination sociale, raciale, exact violence, Femmes Noires et Wapsibi au Brésil. D'après Mesdames, match ça, c'est une façon pour faire autorité autant des voyous, exiger respect de voyous. Quelques familles ont parlé dans le micro VOA créole. L'exclusion sociale là dans le Brésil, les races, les gens, mais c'est nous-mêmes femmes noires qui sont les principales victimes d'inégalité dans le Brésil. À ce nous prenons le marché, nous continuons à résister pour bâtir une bonne vie pour les peuples noirs, pour les petites noirs et les frères noirs. Mais ça, c'est un moment pour nous reconnecter, c'est un moment pour nous parler de ce que la société nous voulait. On a fait remarquer que c'était l'occasion pour demander pour les femmes qui ont droit à voter sans qu'elles sautent au Brésil. Je suis Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley Jean-Baptiste et c'est avec reportage Chesleya depuis Brésil que n'a mettez fin dans programme là pas oublier que nous gagne Jeux Olympiques que n'a suivre nous avec équipe américaine basketball live avec monsieur font démonstration on va tête chargée avec monsieur LeBron James en tête et tout l'autre monsieur yo Steve Kerr et l'autre yo et ben c'est un gros bagaille et négoté déjà dit que on va courir avec compétition ça et nous t'es quand même ouais et vice-président PIA la Harris qui t'a visité monsieur en vanté déplacé. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir. Comme d'habitude pour nous te servir, nous remercions Franklin qui était avec nous. Je connais Chang Wang qui était avec nous. Bons amis pays d'Haïti. Et puis Jean-Marc Hervé Abela qui sont bons amis pays d'Haïti. Tout. Non, monsieur, c'est Haïti natif natal. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Je vais casser rendez-vous avec nous et pour deux. Mais pas oublier que nous, dans toute plateforme, nous allons la consulter pour capable de dernières nouvelles qui tombent. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Bonsoir.
qui décide mettre San Gabriel, région métropolitaine Port-au-Prince, en otage depuis environ 2 à 3 l'année. En pile débat fait. Et jusqu'à présent, la primature beaucoup réagit. Jusqu'à présent, on dit direction générale police a beaucoup réagi. Jusqu'à présent, gain conseil présidentiel transition qui lui-même tout beaucoup réagi face avec situation ça. Est-ce que monsieur juste comme si ignoré sa crivé hein? Alors que image visible, vidéo sur tout réseau hein, moun a regardé image yo, moun a regardé vidéo yo, yo wè comment que bagay la tiè très difficile et officier était en difficulté, police était en difficulté et PM était en difficulté, est-ce que nèg yo et autorité concernée yo y a prêté ou pas ben aucune explication après ça qui fin rivé hein. Et n'a regardé pour nous dire que est-ce que jusqu'à présent, l'hôpital général, bien que ça ait combien de semaines que l'autorité dit que yo reprend contrôle l'hôpital général, et PM Gariconi lui-même, dans la visite ça qu'il a réalisé pour une deuxième fois en deux dans l'hôpital général, et dans le moment visite ça, eh bien, situation compliquée, et bien, il y a eu en l'hôpital général, jusqu'à ce que messieurs Damio, ou bien policiers, yo, avec autorité qui est là, messieurs, c'est pété couri, machine pété couri, blende pété couri, ça dit qui ça, ça dit jusqu'à présent, mais autorité beaucoup paraît vraiment pour ta capable contre carré action gang yo. Ni clair? Jusqu'à présent, autorité montre à clair que yo poko paré pour contre carré action gang yo en de pays des Ivenes. Très bien, la situation d'après et rapport trimestriel Bureau intégré Nations Unies en Haïti, BUNI, publié, il fait quoi? C'est 73% et cas kidnapping qui fait en dedans pays, c'est dans le département de la Tibonite, ensemble, Mounsayo. Kidnappé, il fait quoi? Il y a plusieurs kidnapping qui fait dans la région métropolitaine, Port-au-Prince, et c'est donc regarder Kafou, agressé, et pour deuxième trimestre année 2024, Nations Unies, responsable Nations Unies, fait qu'on est, bien pour plus petit, et 1379 moun qui mouri et puis blessé dans rapport ça yo cité exemple 128 moun qui victime dans zone Delma 24 à Solino et puis 233 l'autre moun qui pratiquement victime dans commune Kafou à ta commune Gressier c'est en babal bandi ensemble moun ça yo rivé victime Blaise Peterson c'est des situations qui paraît extrêmement graves sous initiative association regroupement femmes paysans dans nord-ouest pays yon sitting te déroulé journée qui était lundi 29 juillet 2024 devant direction départementale agricole nord-ouest dans objectif pour yo mandé avec autorité qui dans pire au niveau yo pour penser avec état situation que y a connait dans zone si là qui gain pour avec question route que moun yo pa gain pratiquement pour yo vaque avec activité yo. Insécurité toujours dans la Tibonite Blaise Peterson. Situation 24 fois plus difficile par rapport avec puissance bandit base gang griffio apprend dans niveau département malgré OK gain yon décret qui déclare état d'urgence sécuritaire et en dedans département qui pratiquement trois communes dans département la Tibonite mais ça pas empêché bandi base gang griffio prend plus territoire sorti sur route nationale numéro 1 hein, pour venir faire exaction sous population civile capable traverser route nationale là une route nationale qui obligé abandonner à cause bandi yo alors que toujours dans la Tibonite sur route nationale numéro 1 dans localité Ponsondé yon marchanté organisé pendant journée lundi a contre insécurité pour yon demander autorité qui dans pire au niveau dans l'état dans recommande ba la police là pour porter moyens nécessaires by la police pour le cap opérationnel contre bandi gang griffio qui acheté département ça pour la jeune portion et bien jusqu'à présent et autorité dans pire au niveau pas jamais tenté et n'a fait connaître que bandi base gang griffio te l'ouvri coup d'armes dans direction manifestant ça qui te fait en pile dans yo te gaille ça et là dans journée lundi pendant déroulement mouvement si là dans après-midi dans même lundi bandi base gang griffio fait plusieurs attaques dans 5 heures yo fait une attaque sous commissariat qui trouvé dans Pachoal sur route nationale numéro 1 toujours dans même lundi dans 11h du soir on l'autre attaque encore fait sous commissariat toujours dans Pachoal sur route nationale numéro 1 côté bandi base gang griffio a fait des forcing c'est pendant toute nuit là monde qui dans localité Ponsondé qui trouvé dans 5e section communale Semak hein t'as relé en moi t'as lancé cri d'alarme t'as lancé SOS pour te joindre secou tout le monde qui à travers le département qui cap goumé pour te venir faire une tête ensemble contre bandi gang griffio grâce avec monsieur Itagio qui sorti dans cette cité de Marseille estimé qui cause que bandi bas gang griffio pas faire un bien descend dans
pour sonder. Et ça n'a pas empêché plusieurs monde en blessé. Et moun ça, c'est des monde qui prend des balles perdues, qui courent à prendre soin, qui ont nécessité dans l'hôpital et Saint-Nicolas, dans ville Saint-Marc. C'est des situations qui paraissent très, très drôles et tristes en pile. Et population parce que se demander qui vole Gary Conny après décret qu'elle définit sotia. Est-ce que c'était pour passer moun dans bêtise? Parce que Gary Conny, il pratiquement se fait face avec coup de zam bandit en bas la ville là, qui montrait que nek ak zam yo pas joué, qui montrait que nek ak zam yo pas pardonné, ou qui montrait que nek ak zam yo pas dans question déposer les armes, respecter l'autorité de l'État. Pas que bagaille comme ça, bon, nek yo dit, c'est avec zam yo y a mouri dans meyo, c'est à l'attaque y a mouri, kounye, est-ce que l'autorité qui dans la police, qui dans mission multinationale là, est-ce qu'il a changé physio d'épaule? Est-ce que vous avez pratiquement attaqué bandit tout bon vrai? Ou bien, vous avez réfléchir? L'instant où j'en dis, t'as qu'à dire, ça passait comme une lettre à la poste. Ça, mais c'est comme ça que monsieur Damien voulait faire. Vous parlez dit rien. Vous parlez pour des précisions. C'est ça qui passait là. T'as ouais, un autre conjoint qui publié entre PNH là, avec mission multinationale là, vous t'as fait quoi que premier ministre Gary Conny, pas dans une situation difficile. Selon ça, moi, qui sorti. Bon, par contre, c'est l'authentique. Mais mon bagage qui sorti, qui t'a dit que le premier ministre n'est pas en difficulté. Eh mais ça, la, ta vidéo, mais ma tiote, et pour la joie, et pour la joie. Bon, Kounia, laisse ça, je comprendre. Pour qui raison, dans qui optique, monsieur Damio dit, il n'y a pas d'accord, couverture médiatique dans l'espace côté. Vous avez entendu, si les médias haïtiens ou pas là, qui permettent de gagner ensemble image ça ou les personnes, vous avez arrangé. Yo t'a bafoué nous, yo t'a dit nous pas de gain en rien parce que nous pas t'a pour ça que t'a déroulé en bas. C'est vrai, journaliste besoin très prudent pour parler victime, la situation en bas mais ni policier, ni nèg exam yo pour yo apprendre que c'est pas yo qui doit information. Tant que gain nous gain confrère qui dans Amérique Info 7 qui écrit et qui fait un tweet, il dit si pas de présence journaliste dans moment visite premier ministre Gary Conny dans l'hôpital général lundi 29 juillet 2024, là, chef police là, t'a dit, et c'est PETA ou bien fait d'artifice qui t'a pété dans le parage l'hôpital là. Pendant chef gouvernement, t'es sous route pour te quitter espace là, côté bien présence à plusieurs médias étrangers, parmi eux CNN, non, et dans une note qu'elle fait sortir tout, non, à souhait, après incident qui finit de passer, chef police là, non, Mine Rameau, dit toute bagaille, t'es sous contrôle dans zone l'hôpital général. Lui fait qu'on est tout, et deux coups de balle seulement qui t'est pété pendant PM là t'as sorti. Li dit numéro un gouvernement t'es quitté espace là sans aucune difficulté à deux mille la poche li. Monsieur Rameau fait qu'on est tout et pas aucun monde dans délégation qui même grafouin li fini pour le dire la police t'es tout profité mettez la paix dans toute zone là après ça t'est fini passé. C'est ça qui sorti dans une note conjoint entre mission multinationale là. Comme li pagé sou la dedans ça nous a li pagé sou nous pas oui, authentique tractation il capable oui. Nous parler pour tractation mais toutefois que ça l'état authentique c'est ta direction générale la police sortil c'est ta coup de fouet ou qui d'accord si on bagaille comme ça qui d'accord mettre bagaille comme ça d'yo laisse ça la permettre que population ouais tout en bas bouda nèg yo ouais dans séance à penser pas dire très sérieux que des gros régler dans ça qui vient pour avec question sécurité c'est bluff qui a vinn bay ouais question sécurité blaise li pas gain bluff là-dedans des fois bay bluff sans question sécurité ou victime et c'est ça qui a privé premier ministre Gary Conny là c'est parce que le campé sous bluff li campé sous palampil au lieu qu'il agit contre bandio et bien bandio a agi contre lui-même songez pas écouter fonti vidéo li te dit t'es bon docteur t'es bon premier docteur t'es couru le bouquet. Il était annoncé que Gary Conny pral bouquet. Sans doute, l'exercice a commencé avec Gary Conny pour montrer qu'il pral bouquet. Tout bon vrai, c'est avec ça qui est là. L'autre information de la situation. T'as semblé que l'ambassade américaine prend décision pour bloquer visa temporaire trois conseillers présidentiels qui critiquaient comme droite longue supérieure qui t'a mis en bagagan président conseil d'administration BNCA pour te prendre l'argent en mer. Est-ce que c'est bloqué visa ou, tout simplement, que tu as dû gagner comme sentence? Si toute vérification faite, yo, hein, yo, pratiquement que monsieur dame ça, yo, monsieur, disons, yo complice dans ce scandale-là. Qui ça ou quelqu'un pour vous faire encore? Kounia, on attendait des avocats, des hommes de loi qui ont dit, oh monsieur, c'est vous commis de l'État, yo pas casser ci, yo pas casser là. Y a regardé tout bagay. Y a regardé tout bagay. Mais yo oublié. Nous avons un pays qui est dans l'impasse, nous avons un pays qui est dans une situation difficile,
yo besoin fouer mais toute longueur, tout côté au vle, tout côté au pito, tant pour yo faire déjà et c'est pas première fois que nèg yo a dans gros l'argent. Pour nommer ensemble directeur ça. Directeur général dans ministère. Dans ministère pardon. C'est pas de gros l'argent que nèg yo a fait. Songez qu'un scandale qui annonçait que petite Dessalines vend ministère de l'agriculture pour question Zanguia pour magro l'argent. Nous besoin chercher qu'on est pour continuer à informer les amis internautes qui ont regardé, qui ont attendu les personnes, nous allons discuter, nous allons analyser, bon côté pas nous ensemble pour ça. Bien que je me dise à c'est que jusqu'à présent, l'âme capable de dire, et 12 ans après sa criveillant, parce que tu as 24 ans, que sa crivé, je me le dis 29 juillet à l'hôpital général, jusqu'à présent, l'autorité, à travers on dit l'État, la primature, la présidence, et direction générale de la police, il n'y a pas jamais dit, il n'y a pas jamais réagi, même à travers une note, mais à travers un communiqué saltaïen, où tu as dit que, mais ça, bien que même là, tu as démenti lui, même là, tu as démenti sa criveillon, par rapport avec ça que image et vidéo, nous-mêmes, nous avons gardé et nous, et nous avons gardé là, et sur l'écran ensemble avec nous, mais quand même, par respect pour le pays, hein, par respect pour le peuple haïtien, hein, qui jusqu'à présent, comme si pas comprendre ce qui a passé là, et qui jusqu'à présent, ouais, que l'île loin, pour que question insécurité capable de résoudre, parce que si je tiens là, il y a un premier ministre, il y a un DG de la police, avec différentes unités spécialisées, officier kenyan, nèg yo tete kou chien fou, foumi fou, qui yo même gaillé, tribo pa bo, ap tire tribo pa bo, en de l'hôpital général, parce que bandi vivant sa yo te fait attaque sou yo, et moun yo ti tete yo que, si autorité qui se boit vet, yo même yap kouri pou bandi, et qui dira pour yo même qui se boit sèche, qui bagay en yon comme défense. Et ça montre que, la vie jusqu'à présent, li poko sou pou le reprend dans centre-ville pays d'Haïti. Ouais, beaucoup même aller plus loin, non? Mais zone Risset Honoré, Monseigneur Guillou, rue du Centre, rue de l'Enterrement, et rue Oswald Durand, rue Chareron, tout côté ça, yo, ça traduit, après ça arrivé, je viens le 29 juillet, hein, la vie, loin, 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 pour le reprendre dans zone ça, yo. Et l'hôpital général, j'en que autorité te dit que, y aurait pris contrôle l'hôpital général, là, eh ben, les beaucoup j'aime sous pour être capable de réouvrir et permettre que, un petit médecin, infirmier, infirmière, un petit patient, yo, personnel, en de l'hôpital général, pour que, yo, même, y a le travail en de l'hôpital général. Est-ce que tout, les que l'hôpital après recommencer à fonctionner, yo, après obligé de mettre plusieurs blindés et quadriller l'espace, non? Faut me poser une question ça. Mais, Kounia, est-ce que c'est pas seulement devant l'hôpital général, ou si, moi, est-ce que yo, pas le quadriller tout espace, non? Mais, et mon cap soit si bien loin, yo, pour venir prendre soin en de l'hôpital général. Parce que, faut garder ça. Parce que, ou pas qu'à sécuriser seulement bâtiment, et mon cap venir prendre soin, yo. Et mon lèvre fin de travail pour aller à la caillou. Ou dis-moi, est-ce que lèvre fin prend soin pour aller à la caillou? Qu'on a fait regarder. Est-ce que son sécurité qui est pour le mettre dans un espace qui est très limité? Ou dis-moi, est-ce que c'est travail pour établir sécurité dans tout pays pour que le monde capable fonctionner et la vie capable de reprendre normalement? Et moi, te dis, dans l'émission qu'on a fait matin des Ibenes, n'a continué de dire que ça qui est là comme situation insécurité, hein, que autorité, yo. Yo dégagé yo ces deux bagailles. Soit que dialogue que mandi a mandé ya, soit yo décide faire dialogue ça en mon gadi là en catimini. Yo fait dialogue ça avec yo en bas que moun pa konnen et puis moun wè que pa gen zam kap chante encore, moun ka circuler, pa konnen si ça y a fait. Ou di moi ce que yo prend deux décisions, yo prend responsable militaire yo et pour permettre que yo rive établir sécurité dans le pays. Hein. Parce que tout ça n'a pas dit là, n'a pas décrivé là, yo, mais yo rive en dedans état d'urgence sécuritaire que le gouvernement décrété. Hein. Ok? Tout ça qui rive là, yo, c'est en dedans état d'urgence sécuritaire que Gary Kony lui-même, qu'il était déclaré dans la date qui était 17 juillet. Hein. Et je dis, hein, nous sommes capables de comprendre que Bandio pas respecté l'état de sécurité là, et Bandio pas respecté, soi-disant, moun qui l'a comme des autorités. Désir, en banque examine la salutation, après ça, nous sommes capables d'aller dans la rue. Avant que nous allions directement, la situation nous faut montrer que les États-Unis pratiquement a passé le pays d'Haïti dans le tête, qui tout le là, et dans ce qui est pour avec problème d'insécurité, et malheureusement, pendant qu'il a offert gros moyens à gros l'argent avec des pays, et nous-mêmes, il y a un dialogue qui est Anthony Blinken a annoncé que les États-Unis prennent et les Philippines 500 millions de dollars qui sont aide militaire. Qui s'est empêché
ensemble de ça y'a bail comme aide yo toujours conditionné yo, c'est la police qui y'a bail yo pas bail avec police avec militaire force armée d'Haïti. Pour que ça c'est pas ça yo fait. Et malheureusement qu'on joue un paquet de sous-hommes qui pratiquent dans l'État, qui viennent comme président, qui viennent comme premier ministre, qui par contre droit yo, ok, qui par contre qui ça l'armée vaut dans pays yo. Yo pratiquement yo croise bras yo pour faire les États-Unis plaisir. Et tout ça yo, ça ouais qu'a passé en dedans pays là, c'est conséquence d'écraser l'armée. C'est conséquence bataille pour pas gagner l'armée en dedans pays là. En tout cas, ne vous pas gagner l'armée, ou venir rester en champ libre pour tout le monde à yo venir faire tout ça qui a fait là, je veux dire, et président, premier ministre, directeur général, ministre et peuple là à payer ça avec le TFA pour écraser l'armée. Donc pour dire personne, nous pouvons passer dans salutation pour passer quelques examens. Nous saluer James Love Destin, première fois qu'il nous a commenté, il semble pas dans le pays à lui-même, il dit qu'il a envie de vivre dans le pays parce que les choses semblent difficiles. Et nous saluer Janine Petit-Homme qui n'a jamais prié pour nous et qui dit que bon Dieu bénit nous et nous recevoir et nous croyons bon Dieu à bénir nous pour faire continuer à faire travail ici-là. Nous, big up Fritzner des sources qui est toujours avec nous et qui dit qu'elle est d'accord avec Blaise parce que nous avons besoin de justice en dedans pays. Et bien, continuer à parler ou même pour qu'il y ait une justice, quel que soit le côté trouvé, on l'a toujours dit pour venir la carrière dans le pays d'Haïti. Nous saluons Wilson Boussico qui est toujours avec nous, qui salue nous, qui dit nous merci pour le bel travail qu'il a fait dans la communauté haïtienne. Merci Boussico de continuer à travailler chaque jour pour rendre qu'on soit plus confortable dans le travail qu'il a offert et à travers les médias. Nous saluons également Roselyne Metelich qui dit nous et bon travail qu'elle est d'accord avec nous. Nous saluons également Zami Sayo qui pratique pas j'en parle avec nous, Marie Jasmin, Marie Nosifor, Marie Zana Xavier, Fondation Chris Capable et Janine Petit-Homme, Immaculée Lafleur, bonsoir, qui toujours là, Immaculée Vénéus, qui toujours en chaîne, nous disons bonsoir, merci en pile. Franzi Mesidor, merci pour et participation, merci pour commentaire que vous avez quitté dans l'émission nous matin. Nous saluons Yujuna Joseph, qui bat bravo, qui félicite pour travail nous, Alvarez Dossou, merci en pile, parce que pas jamais raté une émission nous, et Nino TV, big up pour mon frère, parce que toujours avec nous, Denis Wilda, qui toujours en chaîne, nous disons merci en pile. Ça fait un grand plaisir. Content de voir que vous pas jamais lagué nous. Nous saluons Nicole Diverger qui toujours chaîne. Nous dit Nicole, merci en pril. Marie-France Elmonise, merci pour écoute. Merci pour fidélité avec plateforme Mesac Nouvelle, Blaise Info, Pain Nouvelle, Votre Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti. Nimo Jean-Charles qui toujours tenden, garden en famille. Nous saluons toute famille. Nous vous merci en pril. Et grâce à Idam, merci parce que vous remarquez que nous faisons un travail colossal sur les oies. Vous voyez quoi pour nous. Nous saluons Esther Emil. Merci et parce que vous estimez l'information que nous baillons. Vous dites merci pour vous. Et nous retournons salutations bah nous disons merci en pile tout parce que vous faites choix mais ça nouvelle pour informer. Nous saluons Zilo Jean, merci Zilo Jean, nous content ou là parce que wap suivre nous tournons salutations bah Raphaël Saint-Ville, 11 ans de vieille date qui ne pas elle te commenter et il était disparaît tout nous retourner la Cali, nous disons merci en pile parce que vous retournez la Cali mon frère. N'a pas continuer avec Zamio, nous saluons Romanes Laguerre qui toujours rejette, merci Romanes Laguerre, ça fait un grand plaisir parce que wap suivre et mais ça nouvelle Info pour une nouvelle, votre calbasse info, Racine Nouvelle Haïti. Jean-Baptiste Ferville, merci mon frère, parce que ou d'accord avec l'analyse nous yo qui n'a fait dans ensemble émission qui n'a fait là, qui permet que nous yo comprenons plus bien ça qui a passé en dedans pays. C'est mission ça qu'on ban nous, et ou mettre continuer quoi dans nous, n'a continué servir. Dicamel et Clermont, merci Dicamel Clermont, Clermont, ça fait nous grand plaisir, nous content ouais, toujours avec nous et merci pour réaction dans quatre émissions qui t'ai gagné pour matin. Chekina qui retourne dans Kaili pour venir commenter, pour venir analyser, pour venir parler dans l'espace commentaire, nous dit merci à pile parce que lui toujours avec nous. Nous saluons Camille Espérance qui toujours avec nous, Blaise Peterson lui-même, c'est Paris qui est le branceur, nous dit merci à pile dans capitale France, c'est là qu'il est lui-même. Nous saluons Pouchon Charles qui toujours avec nous, ça fait nous grand plaisir, nous content ouais que vous quittez commentaire en cadre et nous saluons Webster Bonaparte qui pas jamais pas avec nous, ça fait un grand plaisir. Merci pour écoute, merci pour commentaire que vous quittez dans quatre émissions qui ont été gagnées. Pour matin, nous saluons Donald Ménard qui toujours avec nous, nous dit merci en pile. Nous saluons mon Suisse Bellevue qui toujours avec nous, Blaise Peterson. Voilà, c'est ensemble, amis, ça aucun de nous prend. Pour nous te big up dans quatre émissions, c'est là, toutes les amis qui pratiquent quitter commentaire, nous pas guetter arrivé sous, nous garantissons dans l'autre émission qui va venir après, n'a poté salutations pour là pour vous. Restez fidèles avec ensemble, plateforme ça pour que vous informez. D'accord, des Venez, on va aller avec un collaborateur, nous, Fred Kelly Tobanat, qui lui-même, avec nous. Et c'est vrai que nous connaissons, pour nous, nous aller directement pour nous connaître comment Charles de Massa levé pour matin, et comment zone en date, le village général a levé après sa crivée, et je ne sais le 29 juillet, hein. Kelly To, comment est-ce que frère? Bonsoir, plaisir, bonsoir, des Venez, bonsoir, chaque grand monde qui déjà approche de Massa Nouvelle. Son plaisir, plaisir, pour informer, mon comment, un bon dans la capitale, lui-même.
li levé pour matin. Fond du matin, Gambonne Blaise environ 9h, nous avons constaté plusieurs nouveaux blindés qui gagnent et bien nous capable dire monsieur Kenya yo, mais ta fait va arriver dans différents axes en bas la ville là, en bas la ville là dans zone Bochan Massa Lord de Saint-Richard Massa de Kazen pour l'hôpital général machine ça yo même que ta fait aller venir. Mais fond dit jusqu'à présent, yo toujours à faire aller venir ça aller monter bord triomphe descendre dans rue Pavia, descendre dans rue de Kazen passer Richard Massa Alvire pour l'hôpital général, il veut bolisser tout ça pour aller monter encore. Mais il faut dire que tout va arriver, ça ne blesse pas, il y a une détonation. Aucun tir, nous tendons pendant la machine, ça va même y avoir fait aller venir dans la zone. C'est là où blesse ça. Ça veut dire pour matin là, et nous capables de dire que et officier kenyan, mélange avec policier dans le nouveau Chablendeo, n'est-ce pas sillonné. En si je soutiens la diverse rue sa yo, mais pas sans difficulté. L'homme sans difficulté avait dit que pas gain de détonation, cap sorti ni bon côté et force de l'ordre et ni bon côté, en a dit direction côté bandit yo même à opérer yo, ben contrôler yo. Tout à fait, blesse pas gain, aucune détonation, pas gain affrontement, chaque sa yo même qui a fait aller venir, dans différentes zones sa yo, nous c'était là, jusqu'à présent, on a la gain, on a passé monter là dans rue, chez le masque pour arriver, bon triomphe là. Et le fond du blesse, les passés, comme ça, je passe par pile, c'est 4 ou bien 5 autres joueurs qui marchaient ensemble, qui différents débats aux policiers, aux chats, à eux-mêmes, sous les gonds gagnent qui campent en coton, mais qu'on est gagné 3 ou 4 encore, qui positionnaient chaque en côté, différents d'un nouveau chat qui gagne, messieurs, qui n'y a eu la donne dans le sol. Ça, ouais, c'est le nouveau chat, Brendé, go, chat, go, bye, chat, M-Rap, yo. Jouni ou plus gen ti plus gen plusieurs ti nouveau chat noir ou ti nouveau chat noir ou gen plusieurs là de retour qui a fait aller venir, mais c'est plus gros chat jouni qui plus dans la rue à la base. Mais mes couilles à la qualité, puisque c'est vous regardez comment rallye mené venir à fête avec un nouveau chat blindé dans la zone ça yo, mes couilles et comment si, c'est vous ou pas quatre ou pas quatre arriver en bas de l'hôpital général, mes couilles à l'obgarder à distance, comment ouais, comme si en bas ça y en parlant de ça tout, est-ce que question nettoyage en bas dit dans la zone ça yo, non, mais est-ce que question nettoyage à lui même tout, ils font camper ou bien la bravo aussi bas avec côté avec situation qui a développé dans la zone ça yo? Maintenant là, nous pas remarqué aucun monde qui est contre notre territoire. Si tout magali habite, nous pas remarqué yo. Malgré les policiers pas voulu nous arriver, mais nous tentons quand même passer autant de bonnes dérives de tout près l'hôpital et bon Cristal là pour dire comment ça est. Nous on a oublié personne, retourner blanche, encore pas aucune activité nettoyage qu'a fait dans zone zéro pour aujourd'hui. Nous pas qu'on est-ce qu'ils sont posés au point ou bien y a tourné, nous pas qu'on est même pour aujourd'hui à la blanche, nous pas remarqué présence mon zéro dans la rue à la zone zéro qui était zone mon était plus ciblé pour te nettoyer. Mais bam tout ça tout non, est-ce que dans moment et j'en ai dit, est-ce que comme si là ouais t'as gagné et on dit l'or était à distance pour garder zone en bas de l'hôpital général. On dit que est-ce qu'on pas ouais en rien en termes de barrière fermée à distance ou comme si pas vraiment gagné rien cap bas en bas. Non, bah, il y a l'hôpital là, t'es déjà crasé, depuis dans le premier mouvement, yo, bah, il y a déjà crasé, par rapport avec monsieur qui fait Mandel, là, t'es chali, même, pour t'es qu'à contrôler Mandel, donc j'ai crasé, bah, il y a ça toujours été à en rien pour qu'on fait Mandel, blesse, même nettoyage, pour qu'on fait, c'est des vaillots, yo, t'as fait nettoyage, mais en rien pour qu'on fait dans l'hôpital là. Mais, qu'on y a là, en nous gardé ça, toi, avec Okelito. Et à côté de Chablin de Café, captionné, différents Chablin de captionné, tout, et un dit périmètre chez Maslan, zone, et bon l'hôpital général, zone bon statistique de 14 ou 10 presque. Mais est-ce que, comme tu as dit là, l'autre activité cap qui qu'on a fait sur chaîne Massa, comment ça a eu vous-même? Mais pour Chan Massa, Chan Massa, on tension qui vraiment calme, en pile, mon chita sur Chan Massa, on constate en pile de machine, monsieur, kaba prendre mon conduit, en pile chauffeur moto, en pile de machine, déjà répond présent sur Chan Massa, et tout soit gardé dans la ligne de triomphe pour descendre de vidéo, il y a un lot de camions, qui toujours attendent plusieurs chars pour passer dans le moment là qui campé. Captain Charo vient derrière même pour permettre de passer dans la région masse pour descendre pour soir qui peut aller sa cap descendre un bien dans CPS là qui c'est ancien pour la fito à blesse et camion comme ce camion by marchandise disons. Oui, tout à fait, c'est camion marchandise qui toujours passé là parce que monsieur yo connait détourner camion ça dans le ministère intérieur surtout les t-shirts par là, c'est t-shirts qui pour permettre machine ça même de passer dans zone là. On avance ici parce que nous avons des questions avec Kelito à côté de parcours que lui fait qu'il nous regarde ensemble avec lui. Très bien. Et Kelito, dans ce parcours que vous essayez de garder pour matin, qui j'en ouais ambiance là par rapport avec le scandale qui te gagne dans Port-au-Prince ailleurs, surtout aux zones l'hôpital général, qui j'en ouais tendance dans l'espace que vous passez? Kelito?
Blaise. Vous parlez des questions Désir, non? Non, je ne vais pas poser question, non. Et Désir, c'est comme ça, comment que, après ça finit veiller, hein? Comment est l'ambiance dans presque tout périmètre centre-ville, non? Et après ça finit veiller, comme si l'aime dit, en termes d'activité, soit circulation, et soit si machine cap dégager, ou quelque part, comment est l'ambiance dans comment est ça y est? Pas seulement chaîne masse, mais toute zone, tout le périmètre chaîne masse, non? Non, pour zone côté action, t'es passé à l'aéroport, que j'aime bien l'habiter. Dans zone, ça, t'es coupé à rien, moi, c'est pas à quoi avec un toit, mais beaucoup dans la zone, ça, même, je vraiment, vraiment blessé, c'est que Gun Chaki, même, qui toujours a fait vivre dans la zone, mais pour, les chaînes de masse, toujours, il y a plein de marchands. Et nous parlons des chaînes de masse, faut nous préciser bien, c'est place construction avec place, il y a un kiosque là, ensemble avec place papa des salines, seulement, c'est place à eux seulement, qui gagne monde, sur l'autre place des artistes, l'autre place mon pierre, et bien, y'a pas d'accord, moi, j'étais à sous pour permettre aux policiers eux-mêmes de contrôler la zone, ça aussi tout le monde est, mais c'est vivre ensemble, un mouvement, un titan, mais pour que monsieur Pompier n'est pas d'accord, mon chita sur place ça pour empêcher eux-mêmes de contrôler le périmètre la blessure. Allez, bon, allez, très, 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 très bien. Et pour Kounia, après, avant d'arriver dans l'esprit,